Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors bonne année, bonne santé, tous mes voeux de bonheur, enfin d'amour, d'argent, c'est important, etc. Enfin tu connais, tous mes voeux les gens. C'est les formules de base de politesse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une suite d'une vidéo que je vous avais faite il y a pas mal de temps en fait sur les ensembles. Je savais pas que ça allait autant vous plaire, mais évidemment ça fait plaisir. C'est vrai que les ensembles en soi c'est archi confortable, c'est archi pratique, c'est stylé, je trouve ça stylé quand c'est bien associé avec une bonne paire de sneakers. Ça pop quoi, tu vois, et c'est sans prise de tête. Maintenant, c'est une vidéo que j'avais fait vraiment vite fait, je savais pas que ça allait autant plaire. Je vous le mets dans le petit, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker, à me donner vos avis. Ça va être la suite, les ensembles longs que je vous avais pas montré dans cette vidéo. Je dis les ensembles longs parce qu'on est en hiver quand même, enfin, je pense que les ensembles courts, ce sera peut-être pour plus tard. Du coup, je vais vous montrer 5 ensembles, dont un que j'ai pas encore acheté. Après, je vous mens pas, moi je suis un grand flemmard, donc c'est possible qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la monte, bon, on va dire que si je me motive, si je me mets la déter, ça peut faire environ 2-3 mois, peut-être un peu plus. Donc c'est possible que j'ai acheté l'ensemble d'ici là. Si je l'ai acheté, je vous le mettrai, enfin je vous l'afficherai comme les autres ensembles que je vais vous montrer. Si je ne l'ai pas acheté, je vous mettrai juste la ref quoi. 4 ensembles qui viennent de Boho. Les gens normaux ils disent bouh, c'est juste moi qui suis chiant bizarre. Et un autre qui vient d'un autre site, je vais vous montrer ça de toute façon dans la vidéo. Alors le premier c'est, vous savez que ma couleur préférée c'est le jaune. Là j'ai cet ensemble jaune qui est assez skinny, assez près du corps. Bon, il n'est pas ultra confortable. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, j'avais pensé à vendre le bas. Parce que je le portais pas énormément. Parce que certes. Ça rend bien en vidéo comme ça, tu vois, même pour les photos, les ensembles jaunes. Mais après, à porter à l'extérieur, je trouve ça un peu trop voyant. J'aime pas trop... Parfois, j'aime bien passer inaperçu. Et je vois pas dans quelles conditions je pourrais porter cet ensemble. Parce que je vois vraiment que toi, tu vois. J'ai pris en XL, la couleur est quand même magnifique. Mais je pense pas que je vais le porter à l'extérieur. Ça serait plus être pour les photos, les TikTok, les vidéos, les trucs comme ça, tu vois. Mais pas dans la vie de tous les jours, quoi. C'est un peu compliqué. Mais sinon, la couleur est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, on a quoi? On a ce petit ensemble noir, jaune et rouge. Enfin, toujours, de toute façon, il y a du jaune, je suis content. Lui aussi, il est ultra confortable. Par contre, la qualité est vraiment déplorable. Déplorable. Et encore, je pèse mes mots, je m'explique. J'ai porté cet ensemble à tout casser 2 fois. 2 fois grand max. J'ai fait attention, j'ai pas tiré dessus. Parce que moi, je suis un mec, je fais attention à mes vêtements. Tu vois, c'est important. J'ai payé de ma poche. C'est normal que je fasse attention. J'ai constaté un petit trou au niveau du pantalon, alors que franchement, quand je vous dis que je faisais attention, je faisais vraiment tout le temps attention. Je ne comprends pas. C'est pas logique, c'est vraiment pas normal. Donc, ok, c'est un ensemble qui est pas cher. Ok, c'est un ensemble qui est stylé. Maintenant, la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Je vais pas vous mytho. Je vous conseille pas d'acheter cet ensemble. Avant que ce soit vraiment moi le problème, soit j'étais trop bourrin, soit j'ai pas fait attention. Mais c'est vraiment très très peu probable parce que en général, je fais attention à mes vêtements. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec, mais c'est la vérité. Mais sinon, très stylé, il passe très bien en vidéo. En plus, en vidéo, on voit pas le petit trou parce que. Enfin. On voit pas, c'est parfait. Et lui, il est beaucoup plus portable en extérieur parce que tu vois, couleur noir et blanc, enfin c'est sobre. Après, on avait un autre ensemble tie and dye. Alors, je sais que oui, je sais que la mode est passée, la mode du tie and dye est passée. Je m'en fous, je m'habille pas pour la mode, je me suis jamais habillé pour la mode, je ne m'habillerai jamais pour la mode. Donc, ce petit ensemble tie and dye, alors ça aussi, c'est un truc qui est archi voyant pour le coup. Tu peux pas passer inaperçu avec un ensemble comme ça, c'est impossible. Mais ensemble très très propre, ensemble qui est lourd, il tient bien chaud, je kiffe. Tous les ensembles que je vous ai montrés pour l'instant, je les ai pris en XL. Moi, je fais 1m83. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais toutes les références de tous les survêtements que vous verrez dans cette vidéo. Je vais le mettre en barre d'infos précisément pour que vous n'ayez pas à me demander en commentaire par la suite. Donc voilà cet ensemble, comme je l'ai dit, je sais qu'il plaira pas à beaucoup de personnes, je sais qu'il est plus à la mode et moi je le kiffe et c'est ce qui compte. Le dernier ensemble boue que je n'ai pas encore mais que j'ai grave envie d'acheter, c'est un ensemble vert. Je le trouve magnifique, incroyable. J'ai pas de vert comme ça, que ce soit en pull, en veste, en sweat, j'en ai pas et je le trouve magnifique. En plus, le truc a l'air assez lourd, assez oversized, ça a l'air trop bien dedans et j'ai déjà une idée de comment le matcher avec une paire que j'ai acheté récemment. Là, par contre, je suis obligé de vous montrer la paire, c'est. Obligé. Cette petite pépite, c'est une Dunk Bayou. Je vous en avais parlé dans mon dernier All My Sneakers. Pour le coup, moi qui disais que je voulais passer inaperçu, là, je ne passerai pas inaperçu avec cet ensemble et cette paire. Mais non. Il me le faut. C'est trop beau. Ça va être trop beau ensemble. Au moment où je vais vous monter la vidéo, j'aurai déjà reçu l'ensemble. Donc, je vais pouvoir le montrer porter. Si c'est pas le cas, je vous montrerai sur Insta ou TikTok, enfin, un de mes réseaux. Faut que t'avais capté. Et le dernier ensemble, c'est l'ensemble le plus cher. Alors là, pour le coup. C'est énorme, c'est archi cher. Je vais pas vous donner les prix parce que j'aime pas parler de prix, mais je vais vous mettre des références, vous pourrez voir par vous-même que c'est ultra cher. Désolé d'avance si vous le vouliez. Mais par contre, il est magnifique, le bleu est incroyable. La couleur est sublime et en plus l'ensemble, il tient chaud, il est confortable, il est agréable, il est pas trop serré, franchement, t'es bien dedans. La matière, tu sens quand même que c'est de la qualité, tu vois, c'est lourd, c'est... C'est de la good fabric, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, si t'investis là-dedans, ce sera pas une perte d'argent, quoi, clairement. Tu peux le porter archi souvent, cet ensemble, enfin... Dans les conditions sportswear, t'as capté, tu vas pas aller au taf avec cet ensemble, mais t'es bien dedans quoi. Franchement, je recommande de ouf. Niveau couleur et confort, on va dire que c'est le meilleur. Après, rapport qualité-prix, honnêtement, c'est pas dedans quoi, c'est pas dedans. Voilà les gens, donc la petite partie 2 de tous mes ensembles est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est l'ensemble que vous avez préféré. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des bonnes références d'ensemble, ça m'intéresse de savoir parce que je suis toujours en recherche de nouveaux ensembles, y a pas de souci. Moi, en général, j'achète sur Boho.
c'est pas mal, je trouve, là-bas, le rapport qualité-prix, les trucs sont stylés, donc c'est cool. Mais si vous en avez d'autres en tête, si vous connaissez d'autres enseignes qui font des ensembles stylés de bonne qualité, même si là, il y en a un que je vous ai montré qui n'était pas ouf, mais de bonne qualité, abordable, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir. Comme ça, on fait partager à tout le monde, c'est cool. Mettez un like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça file la force. Et n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux. Donc je les affiche soit à la fin, sur l'écran de fin, soit en barre d'infos. Vous avez capté, ça sera partout de toute façon. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !